What's up, what's up? Forest Gang! What's up? Un petit direct là parce que j'ai une petite news à vous annoncer. What's up? Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui savent ce que c'est le halving? Le halving sur le BTC, sur le Bitcoin. Yo, what's up, Kalimar, Inouï, Faridjo, Thomas. On voit la sauce. Après, je l'envoie après. Yo, what's up. Eh, attendez, faut que je vous montre ça sur mon tableau de bord. Attends, est-ce que je peux changer de sens la caméra là? Je peux pas changer de sens la caméra. Si, je peux la changer de sens. Application, tac. Tous les 4 ans, il y a le halving sur le Bitcoin. Donc ça récompense les mineurs. Et là, il y a une entreprise qu'il faut repérer. Enfin, que j'ai repéré. Est-ce que je peux l'ajouter là? Hop. Retiens bien le nom de cette entreprise. Donc en fait, si tu veux, tous les 4 ans, tu as le halving sur le BTC. Ça récompense ceux qui minent et ceux qui vérifient. Et en plus de ça, ça rend le BTC encore plus rare, donc encore plus cher. Donc à chaque fois qu'il y a un halving sur le BTC, ça crée des fortunes. Ça crée beaucoup de fortunes. Et là, j'ai repéré 5 actions d'entreprises liées à la crypto-monnaie qui sont spécialisées dans le minage et qui ont fait des levées de fonds auprès des grosses institutions financières comme la JP Morgan ou autres. Et celle-ci, voilà, retiens bien le nom, Digigos Technology. Je vais te donner le numéro SSN, tu pourras l'acheter sur Digiro ou Interactive Broker. Voilà. Et là, en ce moment, tu vois, il est à 7 dollars. Donc, c'est le moment d'investir sur cette action d'entreprise liée à la crypto-monnaie spécialisée dans le minage. Donc, ceux qui minent, ils sont récompensés et ils créent de la rareté sur le Bitcoin. Donc, c'est pour ça que il devient de plus en plus rare et de plus en plus cher. Donc retiens bien cette action. Et j'en ai repéré 5. Je vais en donner 3 ou 4 autres dans le prochain webinaire que je suis en train de préparer là. Yo, quoi de neuf? Price Mark. Yo, Fadel! C'est comment Fadel? Salut Guy Paré. Yes, je te remontre encore une fois. Attends, je vais te donner. Voilà, je vais le mettre dans les commentaires. Boum, publié. Voilà. Ah, aujourd'hui il pleuvait, j'ai roulé sous la pluie. Ça va, ça reste propre quand même. Ouais. Ça, c'est l'œil de lynx sur le graphique. Tu vois, je voulais une voiture avec l'œil de lynx.
On n'est pas loin de l'aéroport. Ok, changeons de sens de caméra. Ah tiens, qui c'est qui veut discuter là? Lancer un direct. Yo, de neuf? En train de te Yo, capter. what's up? Comment ça va? Eh, hey, te cache pas derrière la caméra, montre-toi. On est là, on est là, on est là, on est là, on est là. De Ouais, c'est posé, hein. Toi-même, tu sais, hein. que ça On raconte est de là, on beau? guette les actions. Ah, t'as très bien On toi guette les aujourd'hui? actions. Ouais. T'as noté l'action que je vais te donner là? Ouais, j'ai noté, j'ai noté. Ben, c'est ce que j'étais en train de guetter, carrément. Ah oui. Carrément, je suis sûr, en direct, hein, j'étais en train d'écrire la Bible, j'ai vu. Non, Matt, non, t'es trop chaud, tonton. T'es trop chaud, moi le fuck. Yeah, il Ah faut, il ouais, faut, il faut, il bichon. faut. Eh, T'es dans le attends, jumbo. ça fait longtemps que je discute avec toi sur Instagram. Tu fais partie du Forest Gang. Ah, long time, mais Long si. time. Ton nom me dit quelque chose, Mais mais même t'as mis depuis une vidéo, Facebook. t'as fait longtemps. T'as mis une vidéo, tu sais, l'année dernière, quand ça a commencé, là, en délire de Covid de merde, là, Ouais, en mars, en mars. on était en train de traîner sur le dollar, là, et en 2, 3 jours, là, ça a fait des 2000, 3000, tout Ouais, je m'en souviens. La belle époque. ça. C'était l'année dernière, mais c'était la belle époque. Attends, on est toujours là, hein. On est toujours là, la formation, elle est toujours là. On Ouais. gratte, on gratte. Mais vas-y, J'attends le deuxième objectif. raconte un peu ton expérience dans le groupe, la Forest Gang, parce que tu sais, il y en a plein qui disent que c'est du mensonge, que c'est du mytho, que la voiture c'est un fond vert, que l'extrême monnaie que ça n'existe pas. Oh Raconte-nous non, ton bah, tu expérience, sais les hauts, les bas, tu vois, dis la vérité sans langue de bois. pourquoi. Moi, je vais te dire la vérité. J'ai suivi la formation. Déjà, le délire, c'est quoi? C'est que j'ai vu, frère, t'étais dans le mode. J'ai dit, ah ouais, comment ça, un ghetto, Timmy, là, il parle de bail, de trading, tout ça. Et c'est un délire que je regardais souvent, toi. Ouais. Mais vas-y, avec leur costard, tout ça, on n'est pas dansant, on n'a pas le temps. Mais Yes. là, j'ai vu un. J'ai dit, lui, il est comme les uns, tout, mais il me parle de trading. Bon, vas-y, on se. Suis la vidéo, je suis des vidéos. Je dis, mais carrément, il parle comme nous. Non, je continue la vidéo. À la fin, j'ai dit, hey, vas-y, tu sais quoi, ça me gratte la tête. Vas-y, 500 euros, on s'en fout. Bim! On prend la formation. On prend la formation, on est là, on teste, tu connais, hein, on regarde, après, on ne teste pas. Il dit, hey, mais mec, t'as mis du genre, vas-y, maintenant, c'est bon, il faut y aller. On y va, bim, bim, on y va, on fait, on fait, on fait. Comme tu dis, faut suivre. Faut suivre les Maintenant, règles. si tu veux vraiment réussir, c'est un copier-coller, frère. Il faut suivre. C'est vrai. Étape par étape, tout ce qu'il te dit, Matt, il faut le suivre. Et le gars, il n'est pas là pour te dire de la merde. Il est là tous les jours, il vous montre. Il vous le montre, Moutoumbo, c'est pas pour rien, les gars. C'est C'est pas pas pour pour rien. C'est pas rien. pour C'est rien. ça, les gens. C'est pas pour rien que le gars il vous montre Moutoumbo, les gars. C'est parce que c'est real. Ben C'est oui. du vrai. On n'est pas là pour dire des conneries ou quoi que ce soit. Hein? Il y en a déjà plein d'autres qui sont là à raconter les trucs. Donc moi, je te suis. Je suis là maintenant, comme tu dis, il faut s'entraîner, les gars. C'est comme J'ai en fait, cramé ouais. des bébés. En fait, Mais c'est pas ça. le trading, c'est comme le sport. Plus tu vas pratiquer, plus tu vas développer des Voilà. réflexes, des aptitudes. Tu vas affûter J'ai ton œil. oublié. Regarde bien, dès que tu arrêtes un peu de trader, tu vas perdre un peu, tu vois. Donc Exactement. c'est comme le sport, c'est la même chose. C'est comme la musculation, c'est comme la boxe. C'est pas Même si tu vois que tu tu vas arriver du jour au crames ton lendemain. cash par la fête. Voilà. Voilà, c'est pas T'as tu une vas. formation, t'as payé, t'as une formation dans ton ordi ou je sais pas, les gars, dans votre appli ou. Vas-y, reprends-la, mon vieux. De A à Z. Tu vois que ça marche pas. Reprends-la encore. De A à Z. Tu vois que ça marche pas. Lâche pas l'affaire, frère. C'est Tu veux comme. quelque chose sortir? Lâche pas l'affaire. Tu sais, comment ça s'appelle? C'est comme le code de la route. Tu vois, le code de Voilà. la route, eh, je te jure, quand tu le fais pour la première fois, tu te dis, eh, c'est bon, les 40 questions, j'ai tout bon. Après, quand tu regardes le Ouais. résultat, t'as que 10 bonnes réponses sur 40. Tu vois? Bah oui. Tu Hein? fais quoi? Tu continues, tu veux Tu ton permis. continues, tu continues. Tu continues, T'apprends, pas la faire. t'apprends, tu Tu relis vois, une 5 fois. vidéo.
etc., Voilà. etc. Tu vois, c'est comme le code de la route et la conduite. Plus tu vas conduire une voiture, plus tu vas la maîtriser. Plus tu vas conduire une moto, plus tu vas la maîtriser. Tu vois? Je me rappelle quand j'avais Très passé mon permis moto, je voyais des petits gringalets là. Attends, il y a l'aéroport là juste à côté. Je voyais des petits gringalets sur les grosses motos là, tu vois, les grosses Hornet 650. Et je me dis, eh ben vas-y, si les gars ils sont tout petits, ils sont là-dessus, c'est facile à conduire. Frérot, j'ai fait ma première leçon de moto, je te jure, les slaloms. Les slaloms, dans ma tête, je me dis, mais comment le mec il fait pour pencher comme ça et faire les slaloms? Ah. Moi, grand gaillard, j'arrive pas, tu vois. Et c'est là que tu dis, oh, mais en fait, non, il faut de la pratique, il faut de la pratique pour tout, frérot. Il faut de la Mais pratique pour pour tout. tout, il faut de l'entraînement pour tout. Et c'est pas du mensonge. Depuis 2015, je vous montre, tu vois, quand je prends mes jets privés, c'est pas des fonds verts. Quand je te monte la voiture à 6 roues, c'est pas du fonds vert. Quand je te monte des trades à 100 000 euros, parce que j'ai le capital qui va avec, je te montre mes trades en live sur Instagram, tu vois. Donc, il suffit juste de respecter les règles. C'est comme le code de la route. Tu vois, il y a des mecs, moi, je m'en souviens quand je passais mon permis, le mec, il y a un stop, il grille le stop. Il y a priorité à droite, il grille la priorité à droite. Il y a un feu rouge, il grille le feu rouge. Et après, le mec, il s'étonne! Que l'inspecteur il lui donne pas le permis et il veut le taper en plus. Et en plus, et en plus il veut le taper, frérot, tu vois. Énervé. Eh ben tu vois, dans le trading, t'as les mêmes genres de personnages. Tu vois, ils respectent pas les règles et après ils s'étonnent. Quand tu rentres dans un game, si tu veux gagner dans le game, faut respecter les règles. Ta money management, Voilà. respecte ton money management. Voilà. Pour ceux qui savent pas, le money management, tu détermines à l'avance ce que tu es prêt à perdre. Donc, si tu es prêt à perdre 2%, eh ben, quand tu vas pas placer ton trade, tu perdras que 2%. Si tu Terminé. veux. Voilà, tu vois. Et Moi, je sais que ça va pas trouver son compte, ça va ceux qui pas. brûlent leur compte, c'est ceux qui sont pas encore au top avec le money management. Bah, c'est ça. Tu vois? C'est ça. Tu brûles ton compte, c'est C'est que t'as quand mal tu. géré des. Ouais, tu disais? Si tu brûles ton compte, c'est que t'as mal géré dès le début. T'as Ouais. misé trop haut. Et malheureusement, bah, on n'est pas des devins. Et T'as vu quand surtout, regarde, et t'as sur. eu Voilà. le GPB là, t'as eu là. Il Ouais. nous a chuté, ça a touché plein de stop loss, tu vois. Quand tu es dans le mauvais sens, ne cherche pas à persister, clôture le trade. Clôture Tu direct. vois, moi par exemple, la semaine dernière, je sais plus si c'était dans quel pair, quand j'ai vu que c'était dans le mauvais sens, j'ai clôturé, frérot. C'est mieux. C'est mieux. T'as perdu un billet. Alors, on a appris à perdre. Voilà. On a Mais appris à perdre. tu vois, parce qu'en fait, tu vois, le mot perdre, il est mal défini dans la tête des gens. Quand tu perds, quand tu dis que tu as perdu 100% de ton capital sur un trade ou tu as perdu 3% de ton capital sur un trade? C'est différent. Ah Tu vois? non, c'est pas C'est pareil. différent. Tu continues, tu vas analyser, tu vas. Faut de la patience, les frères. Faut de la patience. Le trading, en fait, quand tu perds dans le trading, c'est parce que en face de toi, il y avait un trader patient et toi, tu as été impatient. Voilà. Tu vois? C'est ça. C'est C'est en face ça. de toi, il y a un trader qui a été patient et toi, tu as été impatient. Soit tu es rentré trop tôt ou soit tu es rentré trop tard. Tu vois? Des fois, je balance des signaux de ouf sur du S30. Après 1 heure passée, il y a des mecs qui m'envoient des messages. Hey, Mathieu, est-ce que je peux encore rentrer? C'est Mais trop tard. frérot, une paire volatile comme ça, Trop 1 heure après, tu me demandes si tu peux encore rentrer. setup, il a démarré, c'est fini. Regarde-le, tu vois, regarde-le, regarde comment il bouge. Et après, tu essaieras de rentrer s'il y a moyen. Mais cherche pas à À la rentrer rigueur, en plein milieu. T'inquiète, je l'ai fait, je l'ai fait. Je me suis cassé la gueule trop. t'attends un pullback. À la rigueur, t'attends un pullback. Tu vois, c'est la base. Tu vois, si t'as raté, t'attends le pullback. Tu vois, tu mets tes fibos, tu repères tes points fibos et t'attends un pullback. Là, tu peux rentrer. Mais Franchement. si tu vois pas de pullback, ça sert à rien de rentrer parce que tu vas rentrer et c'est au moment où tu rentres que le pullback va se faire et là, tu vas pleurer. Tu vois, mais encore une fois, quand t'apprends à trader, tous ces petits détails-là, tous ces trucs-là, tu connais, tu sais comment ça se passe. Tu J'avoue, c'était galère, hein. Mais c'est comme pour tout. J'ai envie de te dire, c'est comme pour tout, frère. Pour avoir ta fiche de paie, il faut bien que tu travailles les 31 jours. T'as bien attendu la fin du mois pour avoir une paie. C'est la même chose, frère. Si tu veux de la réussite, il bah, faut bosser, mon vieux. C'est clair. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'histoire de couleur, il n'y a pas d'histoire d'origine. Eh, tu veux de l'argent, mon frère, vas-y.
rien lâcher. Voilà. Et, sur, Justement, ah, et surtout, tu vois, ce qui est bien, ce qu'il faut faire, tu vois, c'est que à la fin du mois, tous les 30 jours, tu retires 50% de ton capital et tu le places sur des actions. Tu peux soit le placer sur des actions, soit le placer sur des cryptos à fort dividende. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis plus de 3 ans maintenant, tu peux toucher des dividendes avec les cryptos. Tu vois, on appelle ça le staking. Tu vois, je sais pas si t'es déjà arrivé à ce niveau-là dans la formation, mais tu peux faire du staking sur les cryptos. Tu retires 50% de tes profits et tu balances ça soit sur des actions, soit sur des cryptos pour uniquement toucher des dividendes. Donc, je parle pas de trading de crypto, je parle de faire du staking, c'est-à-dire toucher des dividendes en crypto-monnaie, Ouais. mensuellement, ou même chaque semaine, ou annuellement, ou trimestriellement. Ça, en fait, ça dépend des règles de la crypto, tu vois. Et tu peux aussi les placer sur D'accord. des actions à fort dividende, et tu peux aussi les placer sur des actions en performance de prix, comme l'action que je viens de vous donner là. Attends, je vais la remontrer vite fait, pour ceux qui viennent d'arriver. Est-ce que je peux changer de sens? Tu vois? Voilà. Voilà. Digital technology. Voilà. Et regarde. En fait, il est à 7%. Tu vois? Là, je le mets en daily. Donc là, je suis sur TradingView dans la OK. voiture. Dans la voiture, là. Là, je suis en daily, tu vois? En daily. Je vais me remettre. Non. Ah, il a pas voulu prendre le daily. Ah, voilà. Boum, tu vois? Là, OK. il est que, tu vois. Investir avant les dollars. Il y en a qui investissent après, tu vois. Même à la limite, tu vois, il aurait mieux fallu, tu vois, rentrer ici, là. À la limite, tu vois, là. Bullshit, ça bug un peu. Voilà. Et là, c'est mieux? Ouais, c'est flou, je pense que les gens C'est aussi flou? voient le flou. Bon, c'est pas grave, si c'est flou, c'est pas grave. Ah, bon, on t'entend, on t'entend. Ok, si c'est flou, c'est pas grave. Voilà, donc là, c'est vraiment, avant les 10 dollars, c'est vraiment la limite pour rentrer, tu vois. Donc voilà, voilà. En tout cas, frérot, Et toi? ça m'a fait plaisir de discuter avec toi. Moi aussi, ça fait plaisir. Vas-y. T'inquiète, soldat, on te suit. Y a pas Ça de marche. souci. Vas-y. Mais franchement, projet en cours et Vas-y. tu y es pour quelque chose. Donc attends-toi que 2022, on passe à Miami, boy. Je t'attends sur Miami. Tu viens à Miami dans le temps, tu viens à Miami dans le temps, tu peux pas me rater. Ok, y a pas de souci. Ça marche. À bientôt, man. Vas-y. Courage. Yes, ciao. Je regardais un peu les commentaires. Trop flou, ah, désolé, hein, flou, flou, flou. Attends, je vais essayer de le remettre. Voilà. Désolé, c'est flou. Alors. Ouais, je suis à Brickell, bro. DJ James, je suis à Brickell. Toi, t'es où? T'es là ou pas? Passe à Brickell, tu peux pas me rater avec le sirop. Sur quelle plateforme? Ben, tu peux le prendre sur DEGIRO ou sur Interactive Broker. Dans les commentaires, j'ai mis le numéro ISN, donc remonte les commentaires si tu le vois pas. Attends, je vais voir si je peux te le recopier. Boum. Je sais pas si je peux te le recopier. Voilà, je te l'ai remis là. What's up, Riyad? Le halving, c'est en gros, c'est la récompense que l'on donne aux mineurs pour miner le Bitcoin et faire la vérification, tout ça. Va sur Google, tu tapes halving, tu auras une définition complète. C'est environ je crois que c'est tous les deux ou 4 ans. Il y en a un qui arrive bientôt, là. What's up, Steve? Matt, t'en penses quoi de FTMO? Ben, j'en pense quoi? C'est une opportunité comme une autre. Si tu arrives à gagner le challenge, tant mieux pour toi. Hein. Normalement, si tu fais partie du Forest Gang et que tu prends mes signaux, tu peux gagner le FTMO facile.
What's up, Sweezy? What's up, Mickaël? Je vais remonter un peu les commentaires. Ouais, c'est flou, désolé. Mais tiens, regarde. Est-ce que c'est toujours flou? C'est toujours flou ou pas? L'argent ne dort jamais. Toi-même, tu sais. Quand tu dors, lui, l'argent ne dort pas. L'oseille, il va jamais venir frapper à ta porte, c'est-à-dire. Oui, il faut un bon capital pour trader l'US30 sur le broker Code Forex. C'est très, 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 très volatile. Ouais, c'est un moteur V8 qu'il y a dans les Jeep Custom Zero. Bon, attends, qui c'est qui veut parler là? C'est toujours flou ou pas? Ah ouais, ça pixelise. Ah, désolé les gars. Désolé si ça pixelise autant. Je crois que c'est à cause de l'aéroport. Hein. Je suis juste à côté de l'aéroport. Allô, allô, allô? Allô, c'est comment? C'est mieux ou pas la vidéo là? J'ai changé de puce. Allô? Tu m'entends? On te voit pas à l'écran, frérot. Yo, on te voit pas à l'écran. Montre ton écran. Est-ce que tu m'entends? Si tu m'entends pas. On va prendre une autre personne parce que. Tiens, on va tester toi. Ok, là c'est mieux. Voilà. Donc je vous remonte la l'une des cinq actions d'entreprise liées à la crypto-monnaie spécialisée dans le minage, qui est seulement à 7%. Je viens d'investir, vous pouvez prendre sur DEGIRO ou Interactive Broker. Dans les commentaires, j'ai mis le numéro ISN. C'est un peu mieux? Ok. Faites-moi des demandes de participation en vidéo là. Parce que les premiers qui m'ont demandé, là, ça n'a pas l'air de fonctionner. Remettre du son. Sweezy, il fait une demande. T'as fait une demande, Sweezy? Je te vois pas. Yo!
Comment ça va? Est-ce que tu m'entends? Je t'entends très 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 bien. Comment ça Toi-même? va? Eh ben, Ben ça va, écoute, ça va. Hein. je Ça va, suis écoute, très aujourd'hui c'est. fière, très Hein? fière de te parler face à face parce que tu Yes. m'as beaucoup aidé dans tes vidéos, des premières vidéos sur YouTube. Et je voudrais te Yes. remercier, d'accord, parce que tu m'as beaucoup aidé. Voilà, aujourd'hui, si je suis rentable, ben, c'est grâce à toi aussi, tu vois. Donc là, OK. c'est super. Et donc, c'est pour ça que je voulais te remercier. Et merci de m'avoir accepté en tant que vidéo. Et puis voilà, je te suis toujours. Maman, je suis trop contente de te parler là. C'est franchement, je suis bien. Je suis Eh ben réunionnais. moi aussi, Je c'est suis réciproque. réunionnais. Voilà, Big je up suis la Réunion. réunionnais. Et puis, comment te dire? J'adore ce que tu fais. Tu es authentique, tu es vrai, tu passes pas par quatre chemins. Pour tes formations, c'était vraiment génial. Donc, très simple, pas compliqué, nickel. Rien à dire. Voilà. Ok, eh ben ça fait Aujourd'hui, plaisir, là, ça fait plaisir. ah, franchement, et ton Mutombo là, il est ton Mutombo là, il est beau, il est parfait. Continue comme ça à nous motiver. Bientôt, toi aussi tu vas en acheter un. Il le faut. Ouais, Il le faut, il le faut. bientôt, t'inquiète. Il le faut. C'est Faut juste bien super, travailler. c'est Bien, super. ça fait combien de temps que tu traînes? Ça fait, alors, j'ai fait 1 an en démo, 1 an Ouais. en démo, vraiment en démo. J'ai cramé plusieurs comptes en démo. Par la suite, j'ai appris des stratégies, price action, tout cela. Et à un moment donné, j'étais tellement perdue. Donc, je clique et je tombe sur ta vidéo, sur le swing trading. Donc, voilà. Et après, ben, j'ai appris des stratégies. J'ai lu pas mal de bouquins. Là, je suis plutôt sur les price action. Donc, voilà, en scalping. Donc, ça se passe hyper bien. Avec une bonne stratégie, voilà, avec une psychologie. Bien fondé, avec un money management qui est bien posé, tu vois. Donc, voilà, avec un drawdown bien solide. Donc, voilà. Et donc, ça fait déjà près depuis, presque depuis 6 mois, je suis en réel. Ok, bon bah c'est top Ça se alors. passe bien. Voilà. T'as fait comme moi un an de démo. Voilà. 1 an de démo à fond, à fond, à Ouais, fond, je à te jure, fond, à fond, à fond, à fond. quand tu fais un an de démo, t'es prêt. Tu vois, parce que tu passes par Voilà. plusieurs étapes. Tu as le temps de voir les différentes patterns de retournement de situation. Tu as le temps de voir les nouveaux cycles. Exactement. Yes, thank you. Mais là, T'as le par temps de voir exemple, là, comme. je suis sur le gold. Là, je suis en train de Ouais. surveiller le gold. Là, je suis en DI. En daily, donc j'ai placé mes supports et résistances là, mais j'attends juste mes Yes. cassures. Donc là, je suis en daily tranquille, j'attends mes cassures, pépère, impeccable, et après on verra Ouais, tout il fait. comment ça va durer. Attends, laisse-moi voir parce que tout à l'heure, après le NF. Attends, je vais changer le sens de caméra. Est-ce que Là, je une suis en alerte? daily là, je suis en train d'observer ça. J'avais mis mes bandes Attends. Bollinger avec. Voilà. On va voir ça ensemble. Tac. Ouais, voilà, il est en train de monter là en plus. Là. Il y a une bougie qui est en train de monter là, des bar charts. J'aime bien beaucoup travailler avec les bar charts. Yes. En fait, il faut travailler avec les outils sur lesquels tu es à l'aise. Voilà. Ouais, tu vois là, Voilà, en il est en daily. train de monter là. Là, voilà. Ouais. En 4, Je j'ai suis en vu. daily là. Voilà, il est en Là, train de monter là. je pense daily, là, je suis en 4 heures, mais déjà, je vois épaule, tête, épaule, tu vois. Voilà, Il est ok. descendu pendant le NFP, il est descendu de 700 micropips. Il a Exact. rebondi sur le support et il est reparti à la hausse et là il est en train de former Voilà. épaule tête épaule, tu Voilà, mais là j'attends juste ma cassure en. Là vois. j'attends Ouais. Et juste ma puis il y cassure en buy a. stop là. J'ai placé mes buy Voilà, tu vois la stop, trend. tranquille. Ouais. Tu vois la Voilà. trend line là, Ensuite, il ma. a cassé la tr il a tracé la tr tu vois là, je sais pas si tu vois la trend line en rouge là. Ouais. Tu vois, Je vois, il je l'a vois. cassé là, tu vois. Il l'a cassé. Ah ouais, Tu nickel. vois. Ah ouais, Ah, c'est top. je suis équipé, hein.
Je peux Ah ouais, c'est suivre. ça. Je te suis, hein. Je te suis depuis le début, hein. Je te suis depuis le début, mon frère, hein. Franchement, Tu vois, donc là, ça a cassé. ouais, donc on attend la Donc là, cassure du ceux prochain qui ont pays. bail, c'est. Ouais. Ouais, en daily, j'ai trop de. Si je me mets en daily, j'ai trop de trucs, mais Voilà, tu il est vois, là, mais. juste là. Parfait. Voilà, mais tu vois, attends, ça, je vais essayer d'enlever Magnifique. ça. Tac. Là aussi, on va l'enlever. Il faut être Voilà, un passionné, daily hein. là. Voilà, exactement. Il est en Ouais, train de mais monter, là. quand tu sais que l'argent il est sur le graphique et que tu fais de l'argent assis sur ta chaise, ah, la passion elle vient Ouais. toute seule, hein. La passion. Exactement, exactement. Quand Quand t'es j'ai fait là, mes... t'es assis seul. Je me souviens, quand j'ai fait mes premiers bails, j'avais fait mes premiers bails, j'avais fait mes premiers sous. Maman, j'étais tellement content. J'étais tellement fière. J'ai Ben dit, oui. waouh. Et moi qui suis née dans des bidonvilles, donc aujourd'hui, regarde, grande baraque, tu vois. Ah ouais, Quand une grande baraque. ça change tout là. Ça change, hein. Ah, ça change tout, hein, frère. Ça Hein. change Là, tout. je suis tranquille. Ah Ah, ouais, ça change tout. là tu pars Là, quand tu bosses comme ça, tu pars des tranquille. bidonvilles, tu pars Ouais. des bidonvilles pour arriver dans le Forest Bank, là, ça change tout. Hein. Mais c'est surtout le fait d'être, c'est surtout le fait d'être assis sur ton canapé ou dans ta chaise et de faire de l'oseille pendant que les autres. Pendant que Ouais. les autres, ils sont en train de se poser des questions, toi, tu te poses pas de questions, tu fais ton oseille, tu vois. Tu Exactement. vois, c'est, parce qu'en fait, Exactement. tout est une question de connaissances et de connaissances de secrets, tu vois, les secrets de riches pour devenir de plus en plus riches. Il s'agit que de ça, connaître les secrets. Tu vois, J'ai lu. pourquoi sur Terre, il y a des riches et il y a des pauvres? Parce qu'ils savent comment faire de l'argent, c'est tout. Une fois que tu connais ça y est, c'est parti. Ah oui, moi j'ai lu beaucoup des Non. livres sur la psychologie. J'ai lu un livre qui m'a beaucoup plu avec un livre qui m'a beaucoup plu. Voilà, que j'ai eu beaucoup de réponses au niveau psychologique, au niveau tout ça. Je me suis dit, allez, faut que je me lance. J'ai rien à perdre, faut que je me lance. Est-ce que les 1 an de démo t'ont servi pour ta psychologie? Ah oui, très, très. C'est important. Ah, très, très, très. En démo, même des fois, quand j'ai un petit doute là, allez, j'ai un petit doute sur une petite technique là, je me remets un petit coup en démo, je regarde si c'est bon, ok, voilà. Mais en fin de compte, le démo me sert beaucoup parce que ça me permet de vérifier des choses que si j'ai un doute, je me mets en démo, je ne me pose pas de questions. Je me mets en deux mots si j'ai un doute. Et après, voilà, je reste en réel après. Comme ça, je suis Eh tranquille. ouais, c'est fait pour ça. Voilà, comme C'est fait ça, je pour suis ça. tranquille. Voilà. Et surtout, la patience. J'en avais pas. Ouais. Ce métier-là m'a appris la patience. Ah, ça t'apprend la patience, hein. Ça, Et même. franchement, Ah ouais. j'étais pas patient, mon frère. Je ne suis pas patient. Je suis pas quelqu'un de Eh, patient. Et je ne suis pas quelqu'un persévérant. le Mais le trading, trading m'a appris ouais. la patience. Et En fait. si vous n'avez pas de patience, les gens qui nous suivent là, si vous n'avez pas de patience dans le trading là, vous êtes mort. Ah, c'est la Vous patience. allez Parce que, brûler. en fait, le trading, c'est un échange d'argent entre les traders patients et les traders impatients. Exactement. Quand toi, t'es Exactement. pas patient, il y a le trader en face de toi qui est plus patient que toi qui va prendre ton oseille. Exactement. Ah, Ouais, donc il faut être patient, il faut observer la stratégie, il faut regarder. Bon, moi je suis plus à l'aise avec les barchats parce que voilà. Donc voilà, on place les supports et résistances tranquilles, on est là, on observe, on surveille. Comme tu disais une fois dans tes vidéos quand tu avais parlé, surveille, surveille, surveille. Tu as dit ça 3-4 fois. Sur le golf, comme un je me chasseur, souviens quand tu comme un avais dit, chasseur. voilà, tu avais dit comme ça, surveille le golf, surveille. Ok, il faut juste surveiller en fin de compte, concentrer, surveiller. Parce que tu as 20% technique et tu as 80% psychologique. Si 20% technique est ok, 80% psychologique va suivre. Mais si tu as 20%, si tu n'es pas prêt, par exemple, moi je suis prêt à perdre 100 euros à 200 euros.
Voilà. Par Je me suis rapport à un dit, capital, par rapport à un capital de combien? allez, 3 000. Ok. 3 000. Ok. Moi, je suis prêt à perdre Ok. 100 euros. Ok. Si un retournement, je suis prêt que je mets mon stop. Je suis prêt que, voilà, mon stop, il est bien placé. Je sais que je vais perdre avec TradingView. Je sais que je vais perdre 100 euros. Pile. Ça tombe pile poil. Bam. Ouais, c'est ton money management. Voilà. Voilà, tranquille. Après, mes gains, je les laisse courir. Et moi, bien comme j'aime bien couper comme un scalping, comme un rasoir, donc voilà, je récupère. Voilà. J'aime bien scalper de temps en temps, mais là, je suis plus en swing trading parce que là, je suis plus en méditation, j'ai besoin de prendre soin de moi, tout cela. Donc voilà. Bah Mais ça bosse. Là, je suis en daily. Je surveille H24, 24H, mon travail, et je peux faire d'autres choses à côté. Tu vois, c'est ça ouais, qui est bien. Je veux le daily, dire. c'est bien. Hein. En fait, Ah. quand t'es encore salarié, le 4 heures ou le daily, c'est parfait. Ah, le daily, c'est bien parce que j'ai la lecture, j'ai des choses à faire, j'ai de la peinture à faire, j'ai beaucoup de Ouais. choses à faire de ma journée. Donc, le fait d'être en daily, ça Ça me te laisse beaucoup de permet. temps. Voilà, ça me prend beaucoup de temps. Et comme ça, je peux réanalyser, observer. Voilà, ah ouais, la bachate est là, l'ouverture, fermeture. Ok, bon, comment ça se passe? Là, on est en plein range. Là, je suis en plein range. Donc, là, j'attends que ça casse. J'attends la tendance soit haussière, soit baissière, parce que c'est des probabilités. Donc, voilà, on attend là. Là, on est patient. Il faut être patient. Et ça, je répète, répète, répète. Et tu C'est vas la base. répéter. C'est la base. Si tu n'es pas patient, tu es mort. Ah, Si tu faut n'as être pas mis patient en place comme un ta chasseur, stop comme quand loss tu tout à chasses. l'heure, voilà, comme tu disais tout à l'heure, si tu n'es pas prêt à perdre combien? Tu vois, sans émotion. Faut que tu sois prêt à perdre d'abord Voilà, et tu après les gains détermines reviennent. combien tu veux perdre. Combien tu es prêt à perdre? Tu détermines à l'avance. Comme ça, Voilà. si jamais tu perds ton trade, eh ben, il n'y a pas de problème. Exactement. Moi, la première fois que j'ai perdu, j'ai mis TradingView, j'ai mis mon stop loss, tranquille, bien comme il faut. Je me suis dit, ah voilà, je vais essayer. Bam, ça arrivait pile poil. Je me dis, ah ouais, quand même, c'est pas mal. Donc, j'ai essayé d'autres stratégies. J'ai voyé que les autres stratégies n'étaient pas faites pour moi. Donc, j'ai retravaillé sur d'autres stratégies pour être bien, pour être super. Et là, j'ai vu que les supports et les résistances m'ont beaucoup aidé. Je me suis dit, ah, génial. Voilà, génial. Ok, au top. Au top, au top. Franchement, je suis au top. Et les conseils. Quand je vois des conseils, comment tu donnes des conseils sur tes vidéos, tranquille quoi. C'est vraiment, c'est sortir de sa zone de confort à un moment donné. Parce que quand tu es sur le trading là, quand tu es sur ton graphique, t'es pas patient. Tu vois? Tu Ouais, n'es pas parce que t'es patient. pressé de faire de l'argent, alors qu'il faut être patient. Voilà. C'est parce que t'es Mais sois pressé, en fait. C'est parce que t'es pressé. voilà. Mais sois pas pressé. Écoute. De toute façon, du moment et du autre, l'argent va arriver. Tu vois? L'argent va arriver. Il faut juste être patient. Il faut juste prendre le temps pour bien faire les choses, bien, bien calculer. Et surtout, le plus important, c'est bah, travailler sa psychologie. Il faut Voilà. apprendre du temps. Et la Prendre un psychologie, temps. ouais, la psychologie, tu l'as fait, enfin, tu la forges avec Voilà. la qualité de ton entraînement en démo. Donc, je te précise bien Exactement. la qualité de ton entraînement en démo, la qualité. Exactement. Et Tu là, vois? après, ben là, après, t'es cool. Là, après, t'es bien. Là, C'était après, cool. t'es tranquille, quoi. Ah Ouais, ouais, c'était franchement. cool. Et Franchement, aujourd'hui, hey, reconnais-toi le Mathieu. aujourd'hui, est-ce que tu penses que faire 200 euros de profit par jour de trading, donc je dis bien par jour de trading, est-ce que tu penses que c'est faisable? C'est faisable. C'est faisable. C'est faisable. Avec une bonne. Ça dépend. En fin de compte, ça dépend ce que tu recherches. Ça dépend ce que tu recherches. Ça dépend de ton Si. capital de départ aussi. Voilà. Ça dépend ce que tu recherches. Parce que moi, au début, j'avais commencé avec 20 euros par jour. Tu vois? Avec un capital. Mais c'était proportionnel à ton capital. Voilà, c'était proportionnel à mon capital.
Aujourd'hui, allez, je me fais 50 euros en une minute. Tu Mmh. vois? Donc, Il y a des gens, ils vont pas te croire. ouais, 50 euros, 50 euros en une 50 € une minute. Tu vois? minute. 50 euros en une minute. Quand je lance un trade, des fois, je me fais 50 euros en une minute. Et là, je me dis, mais je me battais à avoir 50 euros. Et là, je me fais 50 euros, 20 euros en quelques secondes. En scalping. Bam, 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 bam. Une Ouais, fois, t'es un j'ai scalper, lancé, toi. une fois, je t'ai envoyé un trade. J'avais mis 3 stops. Et je savais que ma stratégie allait péter. Et je savais qu'il allait casser la ligne de support et de résistance parce que vu avec le RSI, comment j'ai placé tout et tout, je savais que ça allait péter. Et je savais que j'allais gagner. Et donc, ça a fait 200 euros, 200 euros, 200 euros, direct. Bam, bam, bam. En Bam, fraction bam, bam. de... En une minute, ça fait bang, bang, bang. Je me souviens, tu m'as répondu par rapport à ça. Et là, ça fait vrap. Ça a monté une flèche comme ça. J'ai dit, waouh, j'ai sorti direct 200 euros. Je me suis dit, maman, là, c'est pas fait. Tu vois, mais c'est ça en fin de compte, ce qui est bien. C'est que dans le trading, tu as différentes façons de trader. Tu as celui qui est lent, Exactement. qui va prendre le temps, tu vois, avec d'autres stratégies. Et là, tu as le scalping. Moi, voilà. Par contre, je ne sais pas trop le day. Moi, je suis plus swing et scalp. Voilà. Ouais, en fait, il faut choisir la stratégie qui est adaptée à ta vie, tu vois. Il y a des gens qui vont faire que du scalping, il y a des gens qui vont faire que du day trading, il y a des gens qui vont faire que du swing. Tu vois, tu choisis. Ah Tu vois, oui, mais il y a des. c'est... Tu vois, moi, il y a des moments, tu vois, moi, j'ai commencé avec le day trading. Tu vois, j'ai commencé avec ça. Après, plus le Forex Gang a grandi, plus j'avais besoin d'avoir du temps. Donc après, je me suis dirigé vers le swing trading. Tu vois. Et là, j'étais bien parce que j'avais le temps de faire tout ce que j'avais à faire. Et après, quand il y a 2 ans, j'ai commencé à trader l'index US 30 et que j'ai vu la volatilité qu'il y avait sur cet instrument. Là, je me suis dit, ah ouais, c'est grave volatile. On va aller trader ça en M15, tu vois. On va aller trader ça en M15. On va scalper ça parce que c'est trop dangereux, tu vois. Ah Donc du oui. coup, de day trader à swing trader, eh ben, je suis passé à, entre guillemets, si on peut dire scalper, sur Oui. l'US30, parce que c'est très volatile et que ça paye fort sur le broker Cotorix, tu vois. Mais en fait, il faut adapter, tu vois, Voilà. peu importe la stratégie que tu optes, du moment que tu es à l'aise avec ça, il n'y a aucun problème. Parce que tu sais, il y a toujours la guéguerre, ah, toi t'es un scalper, ah, toi Ah t'es oui, un ah swinger, oui. tu vois. En fait, Ah ouais, mais... on s'en fout de ça. Ce qui compte, Voilà. c'est les profits à la fin du mois. Tu vois? En fait, après, Ce qui compte, c'est les profits à la fin du mois. quand tu commences à te faire, je me souviens, mes premiers trades, 20 euros par minute, 50 euros en quelques secondes, des fois, ça, tu es là, tu regardes, tu dis, ah ouais, quand même, avoir la patience pour voir ça. Là, ben là, franchement, je me dis... Il faut continuer, il faut persévérer parce que là, en fin de compte, j'ai voulu la vie. En fin de compte, c'est une fois tu avais dit quelque chose qui m'a touché, que tu avais dit quelque chose qui m'a touché, qui m'avait dit comme ça que soit tu subis ou soit tu deviens libre financier. Ouais, en Soit fait, tu subis. c'était soit, non. Est-ce que tu veux être le pion ou est-ce que tu veux Voilà. être celui qui place les pions? Voilà. Ben moi, au bout du compte, je me suis dit, mais le mec, il est balèze. Il me sort un truc comme ça, cru comme ça. Je me dis, mais attends, mais il a... Je me dis, mais regarde, il a raison aujourd'hui. Voilà, on travaille. Je m'assois dans mon fauteuil. Des fois, je suis en forêt. Je regarde, parce que moi, j'aime beaucoup la nature. Moi, je suis un baroudeur. Ah J'aime ouais, beaucoup la nature. tu respires de l'air frais là, il n'y a pas mieux que la forêt, mec. Ah ouais, je vais en forêt, et même en forêt, une fois, je regarde mon graphique, je dis, regarde là, je suis en forêt, tranquille, je trade, je suis assis sur mon petit banc fabriqué en bois, tranquille, et là, je regarde, je dis, waouh! Et puis, c'est le pur bonheur, c'est quand tu reçois vraiment le travail, tu reçois le travail acharné que tu as fait, des bons résultats, là,
commences à avoir des bons résultats. Tu me dis, waouh, tu t'as bien dit au début, un an de démo, c'était galère. J'ai voulu abandonner 1000 fois, mais je me suis dit, allez, j'ai brûlé 3 comptes. J'ai brûlé 3 comptes. Je me suis dit, c'est pas grave, on va recommencer. On tombe, on se relève. Moi, Réunionnais, je tombe, je me relève. Je me dis, Exactement. je vais quitter ma tête. Maison en tôle, sous tôle. Et là, aujourd'hui, je suis dans cette baraque. Voilà quoi, tranquille. Et Incroyable. donc, je me suis dit, tout le monde a le droit de réussir. Tout le monde a Bien le sûr. droit de s'en sortir. Même un pauvre, il est dans un boui-boui, il a le droit, il peut se sortir. Si moi, pauvre Bien sûr. Réunionnais, j'arrive à m'en sortir, Dieu, j'ai pas des cascades de Bugatti, mon frère. Bugatti. Ah, Pas lourd, des cascades Bugatti, lourd, quoi. lourd. Je mets des Ray-Ban sur mes yeux, quoi. Moi, voilà. Lourd, lourd, lourd. Magnifique. Ah, la connexion en forêt, elle commence à partir en vrille. Je sais pas si tu m'entends encore, frérot. Ouais, ça coupe un peu. Ok. Voilà, c'est bon? Ok. Allô? Ouais, allô, on t'entend, on t'entend. Attends, voilà. Je me dis comme ça, aujourd'hui je rentre dans un magasin, je ne me pose plus de questions. Je ne me pose plus de questions. Voilà. Je rentre, j'achète. Voilà. Je ne me pose plus de Voilà. questions. Est-ce que je vais manger ça? Est-ce Quel... que je. Tu vois? Je mange du bio maintenant. Avant, je ne mangeais pas de bio. Je mange du bio. Ouais. Je fais du sport. Je fais Aïe, attention aïe, à moi. aïe. Tu vois? Tu vois? Donc je me pose plus de questions maintenant, tu vois? Parce que voilà, c'est là. Et franchement, génial quoi. Je mets de casquette Bugatti, j'ai mes vêtements et allez, je me fais plaisir. Voilà, tranquille, je mets que de vêtements de la street, bien comme il faut, tranquille, je fais la peinture. Mes peintures sont des peintures de haut de gamme. Donc tu vois, et ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du Du bien, hein. coup, ah, ça fait du bien quand tu es comme ça, tu rentres, tu vois, avant on avait faim, il fallait serrer le ventre à la fin du mois, il fallait, non, non, nickel, bam, Terminé. allez, tu rentres dans la salle, tu poses plus de questions, tu vois, le sachet de riz, il va coûter 4 euros, tu t'en fous, tu prends 4 euros, tu mets dans, tu vois, c'est génial, Ça voilà change tout, quoi, hein. c'est. Ça Ah, fait ça du bien, change tout. ça change tout, mec. Ça change la vie. Ça change la vie, Mathieu. Ça Oh. change la vie. Et puis, tu. Voilà. Et puis, tu as un but. Tu sais que ton métier te rapporte. Voilà. Et puis, là, je me suis dit, là, mon prochain projet, tranquille, c'est de venir en Amérique. Faire un tour à New Ah ouais, York. moi je Ah t'attends, hein. ouais. Je t'attends. Hein? Ah, Je franchement. t'attends, je t'attends. Franchement. Dès que t'es là, J'attends encore un peu. tu m'appelles, je t'accueille direct. Yes. Et après, Avec plaisir. deux mois, là, tu sais comment je traite? Voilà. Je traite uniquement avec mon iPhone, Ouais. mon petit carnet, ma calculette et mon petit bic. Nickel. Voilà mes Avec outils. le TradingView, tu le regardes sur ton téléphone. Ouais. Super. Ok, Je fais tout. parfait, parfait. Je fais tout sur mon téléphone. Je n'ai pas d'ordinateur. En Je peux pleine m'acheter. forêt. Voilà. En pleine forêt. Voilà. Je suis tranquille. Et parce qu'en fin de compte, comme je me débarque, comme je me déplace beaucoup. Et donc, Ok. j'ai besoin de mon téléphone tout le temps. Je Ouais, t'as regarde besoin. là-bas. Tu vois? Et donc, c'est mon téléphone qui. Et puis, en fin de compte, j'aime bien travailler en backup aussi. C'est important. Et après, comme ça, je suis tranquille, quoi. Franchement, génial. Et ce qui m'a fait persévérer maintenant, c'est je ne veux plus souffrir de voir tout ça, tu vois, voir tout ça comme avant là, non. Il faut persévérer. Au top, au top, au Au top. top, mon frère, au top. En tout cas, Aya, ça m'a fait plaisir de discuter avec toi. Moi aussi, pareil, franchement. Envoie-moi les photos de tes peintures, là. Je vais voir comment tu peins. Super. Regarde, 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 Envoie-moi ça regarde, sur regarde. Instagram.
regarde ça. Attends. Il y en a. Ah ouais. Eh mais Regarde attends, pourquoi en tu... quoi. Ah ouais, c'est lourd. Eh mais qu'est-ce que j'allais dire? Attends, y a des gens qui prennent des photos de la voiture là. C'est marrant. Eh, mais Bon. toi, pourquoi tu te lances pas dans les NFT là? C'est quoi ça? Ah frérot, toi qui es peintre, il va falloir que tu te mettes à la page, hein. Bah, en fait, tes œuvres, tu peux les vendre en vidéo ou en photo de bonne qualité, Ouais. en NFT, tu vois. NFT, c'est pareil, hein, c'est le monde de la Mais moi, je crypto-monnaie. mets sur eBay. En fait, c'est des titres de propriété, mais en crypto-monnaie. Et la crypto en question, Ah, c'est la d'accord. NFT. Tu vois, je vais t'envoyer des D'accord. vidéos. Parce que toi, t'es un artiste, Ouais. et tu peux vendre... Ouais. Hey, tu sais que là, par exemple, à Dubaï, t'as des mecs qui ont fait des NFT, tu vois, ils ont fait des images. Ils ont fait des images avec des concepts et tout, et ils ont vendu pour 1 million. Une image, 1 million d'euros, tu te rends Ouais. compte? Ah ouais. Ah Donc, ouais. mets-toi là-dedans. Toi qui es artiste, en parallèle de ton trading, mets-toi à fond dans les NFT pour que tu puisses vendre tes œuvres. Envoie-moi les liens. Envoie-moi les liens. Je Je vais veux tout t'envoyer les liens, je vais regarder t'envoyer les liens. ça. Envoie-moi les liens. Je veux tout regarder ça. Je vais tout Vas-y, balancer. dès que je finis le live, dès que je finis le live, j'envoie les liens. Ok, Tranquille, frérot? tranquille. En tout cas, Mathieu, je suis très contente de parler avec toi. Ça me fait Moi vraiment aussi, plaisir frérot. parce que je te suis depuis ben, 2017, en fin de compte, je te suis. Hein. 2017. Ah ouais, donc longtemps, ok, au tout début. Ah oui, longtemps, hein? Tes premières vidéos. Ouais, tu étais encore en Lamborghini blanc, je me souviens. Ouais, Tu avais encore une là c'était Lamborghini blanc? la Ferrari, c'était la Ferrari blanche. La Ferrari, Yes. voilà, la Ferrari blanc, là. Et je me souviens d'un petit blague. On s'en bat les couilles. J'ai trop aimé le début. Et on me dit, ouais, les couilles, bravo. Voilà, et tu étais en espèce de tenue, je ne sais pas comment s'appelle ta tenue. Ouais, j'avais. C'était. On appelle ça. Gondola d'Algérie. C'était une gondola d'Algérie. Ah ouais, mais je te suis Je m'en depuis souviens. le début, moi. Frère, je te suis depuis le début, moi. Et je vais continuer de te suivre. Parce que franchement, tes conseils, en fin de compte, ce qui est bien chez toi, c'était t'es carré, quoi. Tu fais pas la dentelle. Tu vois, Ouais, comme non, il n'y a pas de dentelle. Non, non. Mais voilà, tu sais voilà. pourquoi? En créant, on appelle ça l'intéressant. Tu fais pas l'intéressant, tu es Ouais, tu fais vrai. pas l'intéressant. Voilà, tu fais pas Exactement. l'intéressant, tu es vrai, quoi. En fin de compte, voilà, t'es un bon. Voilà. Parce que Et ça, je me mets à la ça compte. je me mets à la place de ceux qui m'écoutent. Et moi, tu vois, quand j'écoute quelqu'un, je veux pas qu'il me fasse de la dentelle, je veux pas qu'il fasse l'homme politique, je veux qu'il aille droit au but directement, tu vois. Voilà. Qu'on aille Droit droit au au but, but. et c'est mieux, comme ça on perd pas de temps. On perd pas de temps. On perd pas de temps. Il faut toujours travailler, persévérance, patience. Tous les gens qui nous suivent là, tous les gens qui nous écoutent. La patience, mes amis, la patience. Ça, c'est ça qui vous allez vous gagner C'est en la clé, trading. C'est la clé. Pas de la clé du patience. succès. Voilà. On dit un proverbe. On dit comme ça. Gros poisson, il bec sur le tas. Ça veut dire, c'est sur le tas que le poisson vient. Tu vois? Donc Exact, là, c'est sur exact. le tas, en fin de compte, à force d'attendre. Hein? À force d'attendre, C'est c'est ça. là qu'on chope le poisson. On va choper C'est ce ça. gros poisson. Voilà. C'est exactement ça, frérot. C'est exactement ça. Yes. En tout Et cas, hey, après, frérot, dès que je termine le live, je t'envoie des liens sur les NFT et il faut que tu vendes tes œuvres Super. en Super, mon NFT. frère. Ok, frérot? Super. Vas-y, ça Ok. marche. À bientôt. Yes. À bientôt, mon Yes, frère. I. Allez. À bientôt, Bye. frérot. Bye bye. Bye. Ok. Donc pour ceux qui viennent d'arriver là, je vais vous montrer. Quelle voiture de ouf! Quelle voiture de ouf! Tu vois ça là, ça c'est les yeux, ça représente mes yeux, tu vois, l'œil de lynx. L'œil de lynx sur les graphiques.
Je vais lire les commentaires après. Ok. Donc avant de finir avec vous le live là, je vais vous remontrer une des cinq sociétés. Les quatre autres, je vais les donner plus tard. Actions d'entreprise liées à la crypto-monnaie, qui ont fait des levées de fonds auprès de JP Morgan et plein d'autres banques et instituts financiers qui sont spécialisés dans le minage par rapport au halving. Donc la société, elle s'appelle Gigos Technologies. Elle est pour l'instant à 7 dollars. Donc c'est le moment de rentrer. Là, on est en daily. Ah, c'est un peu flou. Désolé. Voilà, on est en daily. C'est le moment de rentrer dans les commentaires. J'ai mis le numéro d'ISN. Tu peux le pêcher sur Interactive Broker ou DEGIRO ou un autre broker qui utilise le broker que tu veux. Je t'ai donné le numéro d'ISN dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt. Je ferai peut-être un live dans quelques jours pour vous donner d'autres actions d'entreprise. Attends, il est où le Google Chrome? Je vais mettre mon son. D'autres actions d'entreprise liées à la crypto-monnaie sur lesquelles vous pouvez investir. Là, il faut en profiter. L'action, elle est à 7 dollars. Là, il faut en profiter, les frérots. Moi, je vais écouter votre son. Écoute mon son. Je vais y aller. Et je vous dis à la prochaine. On est en direct du Moutombo. Ah, c'est brodé, frérot. C'est brodé. Allez, on pousse, c'est ça. Ciao.